Jean-Pierre Sauvage illustre à merveille les missions et le rôle de l'association. Un lien et une attache avec Agno, un parcours exceptionnel et l'envie de le partager. Pour s'accrocher, changer, pour évoluer, pour se maintenir, l'innovation est sans aucun doute l'une des clés essentielles de la réussite. Parce que la recherche scientifique et l'innovation en entreprise peuvent s'enrichir ensemble, peuvent être complémentaires, vous le verrez, Jean-Pierre Sauvage a accepté de partager son parcours et échanger autour de ses clés de la réussite. Le monde aujourd'hui est un monde complexe, est un monde où tout va vite, est un monde où apprendre et apprendre à innover est sans doute crucial pour notre avenir, parce que les collectivités aussi ont ce challenge, comment on se nourrit de vous, du monde économique, du monde scientifique, du monde universitaire. Et je crois que les scientifiques ont cette fonction-là, c'est de nous bousculer, d'amener des solutions qu'on n'imaginait pas à des questions qu'on ne se posait peut-être même pas, mais elles sont salutaires. On va parler de molécules qui semblent exotiques, qui sont des espèces avec des anneaux entrelacés ou un anneau qui est traversé par un axe. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est catenane et serotaxane, là, avec ces noms bizarres, bon, issus du latin. Hein. Pourquoi c'est si intéressant avec le mouvement, en liaison avec le mouvement? Alors, vous allez tout de suite voir. En liaison avec le mouvement, c'est évident. Si j'arrive à avoir une molécule telle que celle-ci, et si en plus, je sais contrôler le mouvement de cet anneau et le déplacer d'une position, mettons, sur la gauche vers une position sur la droite, là, je suis en train de faire un moteur linéaire. Ça ressemble terriblement à un piston qui va bouger dans un cylindre. Donc, on conçoit très bien, je pense, que ces caténanes et ces rotaxanes sont parfaitement adaptées à la conception puis à l'élaboration de machines moléculaires. Quand j'étais largement plus jeune, l'un des domaines qui m'intéressait le plus était celui de la coupure photochimique de l'eau en hydrogène et en oxygène. Donc c'est une réaction qui a fait rêver les chimistes, des centaines, des milliers de chimistes, pendant des années. Mais malheureusement, comme tous les chimistes qui se sont attaqués à ce problème, on n'a pas vraiment réussi. On a fait avancer un petit peu. Mais dans nos recherches sur cette photolyse de l'eau, ça s'appelle, on a travaillé sur des molécules qui, tout d'un coup, disons, nous ont beaucoup intéressés parce qu'on s'est rendu compte qu'elles pouvaient être des précurseurs formidables de caténanes. Ça a très bien marché et on a fait des caténanes. Je vous présente ici l'un des premiers caténanes que l'on ait obtenu. Et ça a été l'une des toutes premières machines moléculaires, la première à Strasbourg. Je vais vous parler maintenant de muscles artificiels. Et ça, c'est la manière dont fonctionnent les vrais muscles, les nôtres, hein, les muscles striés. On a des filaments, alors qui s'appellent des filaments fins, en rouge, filaments fins, et des filaments épais, en bleu. Donc nous avons eu l'idée de faire un nanomuscle qui va faire 8 nanomètres dans sa forme allongée et on est capable de le contracter en envoyant un signal. Et maintenant j'envoie un premier signal, on a une contraction de 8 à 6 nanomètres. Ensuite j'envoie un deuxième signal pour revenir et on revient. Aujourd'hui il y a des tas de systèmes particulièrement prometteurs qui ont été fabriqués, des fibres que l'on peut, artificiel bien sûr, mais qui se comportent vraiment comme des muscles, que l'on peut contracter ou étirer. Donc voilà la conclusion, c'était que les machines moléculaires nous ont fait prendre conscience du fait qu'avec des molécules, on peut avoir des machines, des moteurs, que l'on peut contrôler des mouvements, et on espère bien sûr que cela va être utilisé plus tard par d'autres chercheurs, et on espère aussi par des gens plus intéressés par l'application, par des industriels.
entreprises viennent nous voir avec des matériaux un peu complexes et ils nous demandent comment on peut essayer de réutiliser nos matières, nos déchets. Et donc là commence un premier travail avec les chercheurs, à savoir comment traduire leurs problématiques industrielles en problèmes scientifiques. On a donc besoin de travailler avec des collègues qui viennent de différentes sciences, des chimistes, des physico-chimistes, des mécaniciens, des gens d'imagerie, des informaticiens. Et toutes ces personnes réfléchissent autour du problème et on arrive à essayer de trouver de traduire la problématique en équation, en modèle, etc. Donc tout ceci fait que pour essayer de passer de la recherche à l'innovation, on va passer par un stade de réflexion, de traduction en équation mathématique le problème. Et ensuite, une fois qu'on aura développé les verrous, on pourra développer un produit innovant que l'entreprise pourra valoriser. Notre activité, donc, c'est de développer des machines pour la transition énergétique, donc pour comprimer l'hydrogène, pour permettre de l'utiliser ensuite comme nouveau carburant, comme intermédiaire de synthèse dans l'industrie, etc. Alors notre travail, nous, il commence en aval de ce que font les chercheurs dans le domaine académique. Donc il y a un moment donné où les chercheurs trouvent quelque chose. Et puis, on a parfois tendance à penser que ben, ça y est, le travail est terminé. Et en fait, c'est à ce moment-là que commence une autre partie du travail, qui est de faire passer le principe qu'on a découvert ou le concept qui a l'air de fonctionner en laboratoire à l'échelle souvent réduite ou à l'échelle d'un test ou d'un essai en laboratoire à une vraie machine qui va être commercialisable, qui va être utilisable par le plus grand nombre, etc. L'innovation, vous n'allez pas créer du savoir. L'innovation, ça va être par exemple pour les pare-chocs recyclés. On va lever un verrou, on va être capable, grâce à l'avancée des connaissances sur le matériau, de comprendre comment fonctionne le recyclage. Et on va dire, bah maintenant, on est capable de mettre 30% de matière recyclée dans un pare-choc. D'accord ? L'innovation, ça sera de mettre 30% de matière recyclée dans le pare-choc. À mon avis, il n'est pas assez rapide. Disons, notre pays n'est pas très dynamique de ce point de vue. Disons, il y a certains pays que je connais bien, pour lesquels ça fonctionne beaucoup mieux, c'est institutionnalisé. Alors, le Japon en particulier. Donc, il y a un ministère, même le MITI, qui favorise des contacts. Il y a des plateformes où des industriels et des gens du monde académique se rencontrent, deviennent amis, travaillent leur réseau, et ce sont des réseaux communs. Je travaille avec la France et l'Allemagne et j'ai l'impression qu'en France, pendant longtemps, la collaboration industrie-recherche était presque considérée comme quelque chose d'un peu honteux, où là, il y avait une cesse de dégradant pour la pureté de la recherche. Je crois que c'est en train de beaucoup s'améliorer, enfin de beaucoup changer. Je pense qu'il y a encore des complexités, des lourdeurs administratives sans doute à améliorer au niveau notamment de l'utilisation de la propriété intellectuelle qui est issue de la recherche. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a une solution magique. Hein. Je pense que c'est. Je crois que ce qui est le plus important, c'est encore le lien humain, comme disait Jean-Pierre, les réseaux personnels qui permettent de travailler dans la confiance et qui font qu'on arrive à lever les barrières. Quoi. Je pense qu'aussi un point d'entrée, ce sont les étudiants. On les forme et peut-être que les relations devraient être plus approfondies au cours des encadrements des jeunes. Ne pas se limiter peut-être à une visite qui dure 2 heures et puis on fait visiter chacun notre tour sans de débat derrière. Je pense que le verrou est quelque part parfois dans la langue de bois, aussi bien de notre côté que de votre côté. On n'a pas envie automatiquement d'échanger et trouver un point d'intérêt où tout le monde serait d'accord pour avancer, comme on est en train de faire actuellement sur l'usine 4.0. Ça pourrait être un moyen de favoriser les échanges et de construire des projets communs entre les deux entités. Quand j'ai démarré, mais c'était vrai pour les autres équipes, disons, les gens se posaient la question dans quel domaine tu vas aller, toi, ah oui, on va essayer ça, oui, bon. Et les gens avaient une très, très grande liberté. On avait le droit de rater aussi. Disons, le droit à l'échec, il est de moins en moins permis. Le droit de revenir, reculer, redémarrer ailleurs.
Et je pense que pour la création pure, c'était plus propice. Bon, maintenant, de la recherche programmée, disons de la recherche qui doit conduire à des résultats plus ou moins prévus, elle me paraît indispensable aussi. Il n'y a aucun doute. Hein. Si on a un projet en collaboration avec un industriel, on ne peut pas se mettre à travailler sur la probabilité de trouver un trèfle à quatre feuilles dans un champ de trèfle à trois feuilles. Enfin, faut faire des choses qui vont l'intéresser. Mais il faut laisser toujours la place au hasard, à la découverte inattendue.